Amis depuis plusieurs années, Nelson Montfort et Philippe Candeloro seront bientôt réunis dans une pièce de théâtre. Le journaliste sportif l'a annoncé à Laurent Arguellier dans le podcast La Série. Entre Nelson Montfort et Philippe Candeloro, c'est une histoire d'amitié qui dure depuis plusieurs années. Le journaliste sportif et l'ex-champion de patinage artistique ont été amenés à commenter de nombreuses compétitions ensemble à l'antenne. Même si Philippe Candeloro ne se montre pas toujours ponctuel, à en croire les paroles de Nelson Montfort qui considère le patineur comme son petit frère, Philippe, il a toutes les qualités du monde, mais il est parfois un peu fâché avec l'horloge, et quand il s'agit de commenter en direct du patinage artistique aux Jeux Olympiques devant des millions de téléspectateurs et que nous sommes à 2 minutes de l'antenne et qu'il n'est toujours pas là, a-t-il confié à Jordan de Luxe en 2022. Nelson Montfort et Philippe Candeloro bientôt sur les planches, mais en matière de ponctualité, Philippe Candeloro peut toujours se rattraper car il va bientôt monter sur les planches avec un certain Nelson Montfort. C'est le journaliste lui-même qui a dévoilé ce scoop dans le podcast La Série aux côtés de Laurent Arguellier. Nous préparons une pièce de théâtre avec Philippe Candeloro. C'est une fiction dans le monde du patinage qui se passe à Tokyo, qui est aujourd'hui le cœur du patinage mondial. Nous jouons nos propres rôles, mais pas seulement. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. La pièce est en cours d'écriture par un garçon qui s'appelle Hugo Cremachi et qui a énormément de talent, a dévoilé Nelson Montfort sans en dire plus. Rendez-vous dans quelques mois. Le rendez-vous est pris. Un départ de France Télévisions en 2024 pour Nelson Montfort. Côté télévision, Nelson Montfort est sur le point de quitter la maison France Télévisions en 2024, sur laquelle il officie depuis plus de 30 ans. Le journaliste sportif se dit toutefois prêt à entrer de la partie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans ce métier, on n'est jamais à 100% sûr de rien, a-t-il assuré. Mais c'est dans mon ambition et c'est également le souhait de France Télévisions. Et ajouté, pour moi, symboliquement, c'est important. À lire aussi, Nelson Montfort sera-t-il encore chez France Télévisions pour Paris 2024? Sa réponse émue.